Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animalia, oui! Donc, je suis enfin de retour en force, comme vous pouvez le voir, vu que maintenant, dans chaque vidéo, eh bien, vous posséderez les deux écrans, vu que j'ai enfin obtenu ma capture 3DS. Il était temps! Voilà, au bout de 2 ans, on se dit « Enfin fini la qualité de merde !» Oui. Donc voilà, je pourrais faire absolument tous les jeux que je veux maintenant, c'est-à-dire voilà un contenu beaucoup plus varié sur la chaîne. Il n'y aura plus ce souci de « Ah, c'est trop flou pour filmer les deux écrans, voilà. » J'annonce aussi que... Excusez-moi, que la série que j'avais faite du coup il y a à peu près 1 an je crois, donc c'était sur Disney Magical World, et ben ça va reprendre du coup vu qu'on avait besoin des deux écrans et que j'attendais d'avoir la capture pour reprendre cette série, c'est maintenant officiel. Voilà donc, petite parenthèse aussi avant de commencer ce let's play vu que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo à peu près, voilà donc pourquoi 2 semaines, parce que en fait donc durant une semaine j'ai pas pu tourner puisque j'étais malade, enfin j'avais mal à la gorge mais ça on s'en fout de façon comme d'habitude mais voilà donc c'était impossible pour moi de tourner vu que je toussais à chaque fois, voilà je crachais mes trucs à chaque fois donc c'était pas possible. Et puis du coup, il y avait eu, au début du mois de mai, il y avait eu tous les ponts, tous les trucs là que j'ai pas pu trop m'avancer au niveau des tournages, vu que j'étais jamais là. Voilà. Et puis du coup, la semaine là, c'était ma famille qui était malade, du coup, impossible pour moi de tourner, vu que ben, il y avait quelqu'un dans chaque pièce de la maison. Donc voilà, c'était génial. Donc là... De base, je devais vous tourner une vidéo, enfin, vous sortir une vidéo normalement hier, sauf que le truc qui n'était pas du tout attendu, c'est que j'ai obtenu ma capture hier, du coup, bah, j'ai dû annuler en fait la vidéo d'hier pour vous sortir celle-là. Voilà, mais je pense que ça fera plaisir à pas mal. Donc, on va tout de suite profiter de l'écran du bas, voilà, vous voyez, pour la première fois mon écran du bas, c'est le gros bordel, oui. Alors oui, ah oui c'est vrai, j'ai des trucs à faire, ah ouais, ah j'avais zappé, oh bibi, Lico, oh, qu'est-ce qu'ils me veulent, ah oui c'est vrai, ok, bon, j'ai du taf les enfants, hein. Alors voilà mes poches hein, qui sont rangées mais pas trop rangées, donc là vous avez mes trucs pour les Hunger Games qui sont toujours ici, puis là j'ai obtenu le sphinx voilà de la dernière vidéo, donc Hunger Games hein, c'est en suspens pour l'instant, ne vous inquiétez pas c'est pas terminé. Alors, un de mes correspondants, pardon, a récemment cessé de m'écrire, raison invoquée des crampes digitales. What? Hein? Attends, Lico? Si Lico était un objet, ce serait... Je me suis souvent posé cette question et je pense avoir trouvé la réponse. Tu la trouveras en pièce jointe. Ok, alors attendez, on va voir ce que Lico pense qu'il est. Ah ouais, la toile est mouvante, ok. Donc ça, j'ai encore un truc à aller donner au musée. Alors, Lico, c'est le cadeau du milieu. Je vais faire un malin plaisir. On l'ouvre en dernier pour le kiff. Donc oui, ma toile. Bibi m'a envoyé du papier fleur. Bah voilà, ça veut dire écris-moi. Et Lico, il pense être un t-shirt marguerite. C'est très... Comment dire, très, très viril, en fait, soit dit en passant. Bon, alors, vous voyez ici, hein, je suis légèrement dégoûtée, vu que notre ami Rouge Pif, le traître, il s'est encore cassé. Alors du coup, maintenant, je me dis, c'est qu'il veut vraiment pas rester, parce que ça fait 3 fois, s'il vous plaît. En 3 ans de jeu bientôt, au mois de juillet, ça fera 3 ans que j'ai Animalia. Je l'ai obtenu 3 fois, Rouge Pif, et 3 fois, il s'est barré sans rien dire. Voilà. Donc je me dis... Il ne m'aime pas, voilà, donc je vais arrêter de le prendre, donc c'est officiel, je ne veux plus Rouge Pif Animalia, voilà, c'est clair et net, hein. Il dégage, je ne le veux plus parce que à chaque fois il me détruit mes routes, mais voilà quoi. Non mais franchement je suis un petit peu dégoûtée, parce qu'en fait vu que, enfin en ce mois de mai, j'ai été pas mal occupée, et puis du coup j'ai pas trop joué, même presque pas du tout, ce qui fait que j'ai dû... on va dire remettre la date, donc là nous sommes le 26, le jour où je tourne, je suis à jour quoi, mais de base, j'étais il y a le 7 ou 8 mai je crois, hein. Hier j'ai vraiment avancé au max hein, pour pouvoir tourner aujourd'hui, hein. Donc le truc c'était que j'avais pas joué depuis environ ouais, cette date là, le 7 ou 8 je sais plus, ce qui fait que j'ai dû revenir à la date où j'avais joué la dernière fois pour ne pas perdre mes habitants, donc j'ai dû m'éclater chaque jour à aller leur parler pour pas qu'ils s'en aillent. Voilà, c'était... Oh, je me suis bien éclatée hier, c'était génial. Donc bon,
Là, on va profiter à fond, hein, les amis, voilà. Mais ce qui n'a pas empêché quand même Rouge-Pif de se barrer, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas un temps à un maître tire au flanc dehors. Il risquerait de se mettre au sport au rond. Comment va? Quoi de beau? Je me suis rendu compte qu'il restait assez de place chez moi pour caser un meuble de taille moyenne. Tu n'aurais pas ça sous la main par hasard? Viens me voir si jamais c'est le cas. Un meuble de taille moyenne. Un meuble de taille moyenne. Mais je ne sais pas trop. Il entend quoi par taille moyenne? C'est ça aussi. Ah oui, bah voilà, on la voit enfin cette Marie-Lou. Regardez comment elle est choupinou. C'est le temps idéal pour une petite virée, Mimuso. J'adore. Dis-moi, tu voulais parler de quelque chose en particulier? Quoi de neuf? Je peux venir chez toi? Non mais en fait. Oh. Alors oui, ça c'est le kiff des habitants en ce moment. Vas-y, elle a un manoir, on va aller squatter et tout. Ouais. Oh. Vas-y, je suis généreuse aujourd'hui, hein. Je veux faire bonne impression en vidéo. Ah mais non, mais c'est bon, on s'en fout. Je la verrai pas. Oh, vas-y, pour 14h, de toute façon, je vais oublier comme d'habitude, hein. Non, mais je rigole. Alors voilà, tous mes petits tableaux. Et oui, les statues aussi. Oui, c'est ça. Je me souviens même plus que j'avais acheté une statue. J'avais eu le truc de... Ouais, le truc égyptien, là. Je crois que c'est... Bah, c'était l'autre. C'était la statue mystérieuse alors. Ok. Alors vous voyez hein, que ma plage c'est toujours le bordel absolu. Hein. Voilà. Le nettoyage de printemps n'est toujours pas fini. Alors attendez que j'aille un peu par là-bas. Donc là en fait, sans faire exprès, j'avais enlevé mon motif. Voilà. La gourdasse. Il n'y a personne au camping, mais non, 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 non. Je ne suis point d'accord. Ah, mais faut avouer que c'est tout de suite plus agréable d'avoir une bonne qualité quand on visite. Ah, puis pour les chercheuses de rêve, voilà, oh là, ça va être. Oh, ça va être. Caliente! Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous convient. Hein. Au moins, là, il y aura plus de soucis de luminosité, là, parce que je commençais à galérer et tout. Et puis après, là, j'ai réfléchi du coup à. On va dire à des petits bonus, on va dire. Ce que je voulais faire, peut-être des tutos, enfin recommencer les tutos Animal Crossing. Alors, tuto motif, je sais pas. En tout cas, je ferai pas de motif sol, hein, vu qu'on m'a déjà assez plagié. Donc, excusez-moi, hein, mais par précaution, je préfère pas faire ça. Donc, après les vêtements, faudrait que je m'entraîne parce que je suis une vraie quiche hein, en ce qui concerne. Les designs de vêtements. Puis après, voilà, si vous avez des envies de motifs autres, donc genre, pas des petits motifs comme ça, mais du genre, voilà, des petits motifs comme, enfin, au format drapeau, quoi, des petits trucs, n'hésitez pas à dire, hein, je verrai ce que je peux faire si j'arrive à dessiner. Pierrot, qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas ce qui m'a pris l'autre fois, j'ai acheté un figuier pleureur, qu'est-ce que je veux bien pouvoir en faire? Ah, oh, mais non, 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 j'en ai pas besoin, non. Arrête de me refiler tes trucs, hein. Je suis pas ta poubelle. Ah bon. Alors, je vais aller au musée. Ah, Lico, mon amour, il est là, oui. D'ailleurs, alors attendez, je sais plus qui c'est. Oui, donc, sous l'effet d'Animalia, normalement, je pourrais le tourner d'ici cette semaine, si je peux, ou la semaine prochaine. Enfin, je verrai, hein. Voilà, parce que y a plein de petites choses à savoir sur Lico. Voilà. Alors, quoi de neuf? C'est définitivement le lieu où il faut être si tu veux te faire remarquer à Animalia. T'es pas d'accord? Bah écoute, pour toi, si, hein, vu que tu es the star of Animalia. Toujours en train de dormir celui-là, bon, ça change pas, hein. Réveille-toi, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Allez! Alors, faire une donation. On peut donner plusieurs. Ah oui, ah bah parfait. Ah ouais, c'est... Oh là là, ça veut dire que j'ai tout ça comme tableau. Oh non. Bon, eh ben écoutez, je vais faire une vente de charité. Oh non, mais sérieusement. C'est vrai que je vois que je... Oh. Bon, je vais voir un peu ce que ça donne quand même. Non, tu ne m'aides en rien, merci beaucoup. J'en ai fini avec toi. Adieu. Alors, voyons un petit peu le rendu. Oh oui! Elle est magnifique! Oh, qu'elle est magnifique! Donc, c'est officiel, j'ai maintenant bah, deux statues. C'est extraordinaire! Donc là, ouais, je commence à avoir un petit peu de tableau quand même. Hein. Ouais. L'autre côté, je sais pas, non, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas sur ce mur-là. Oh, tant mieux. Ouais, non mais... C'est sympatoche tout ça. Alors, dans l'autre pièce, je sais plus ce qu'il y a. Normalement, j'ai rien dans l'autre pièce-ci. En même temps, je vous parle comme si vous alliez me répondre, mais... Ah si, ah ouais. Ah ouais, j'ai quand même... Oui, en effet, oui, je n'y pensais pas. Non, ça doit être les gros trucs. Les big tableaux. De... Ouais. Ah ouais. Ah, côté petit, côté grand là-bas, ok. Alors moi, j'aime bien un tableau. Alors attendez. Par contre, les noms des tableaux... Hein. Enfin, je crois que c'est la naissance de Vénus. Hein. Je suis plus sûre du tout. Naissance, ouais, voilà. Sandro Botticelli, vers 1485. La déesse romaine de l'amour. Ah bah tiens, voilà, on reste un peu dans la ville gréco-romaine de l'autre fois. Émergeant de l'eau debout sur un coquillage. Voilà, voilà. Sachant que, oui, je crois que c'est la dernière que j'ai donnée. Hein. C'est une des dernières que j'ai données. Donc maintenant, je fais attention hein, pour pas me faire avoir par les contrefaçons. Donc je sais que la Vénus, là, en fait, le coquillage, voilà, les... Je sais plus, je vais dire les traits, mais je sais plus comment ça s'appelle. Ils sont vers le bas dans la contrefaçon et vers le haut dans l'original. Voilà. Comment reconnaître un tableau? Bon, je vais faire téléportation dehors, ça ira beaucoup plus vite. Eh ben, me revoilà du coup dans ma ville. Magie. Bon, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui squatter quand même, histoire de pas me sentir trop abandonnée. Là, c'est un petit peu le cas quand même. Hein. Alors Miro, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il fout, lui. Il est plus... Non, je le vois jamais dehors. Ah, oh là là, ma plage, mon dieu. Oh, c'est déchet. Oh, mon dieu. Je vais jamais m'en sortir. Bon, je vais voir ce que j'ai. De toute façon, j'ai rien à faire, donc ça changera pas grand-chose. Oh, Bibi, ma chérie. Bibi. Bon, la voit pas, évidemment. Merci, panneau photo. Hein. Tu as l'air toute joyeuse aujourd'hui. Comme d'habitude, bah oui, bien sûr. Alors, dis-moi, tu voulais parler de quelque chose. Comment ça va? Antoine le facteur ne chôme pas ici avec toutes les lettres qu'il doit distribuer. Surtout, n'oublie pas de relever ton courrier régulièrement. Non. Ah, mais je n'en doute pas. Hein. Après, il peut changer de filière aussi. Hein. J'ai envie de dire, ouais. Ah. Bon, alors. Voyons un petit peu ce qu'on a. Oh, un petit trou. Eh oui, un gyroïde, bien sûr, avec la chance que j'ai. Bon. Oh, j'ai des clochettes. Rien par ici. Oh, je l'enlève. Ça sert plus à rien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pot de sucre. Ah, mais oui. Oh là là. C'était pour Cartoon, ça? Je sais plus. Je crois... Ah, si, je crois. Je sais plus du tout. Faudrait quand même que je commence à trier mes plages parce que là ça devient critique. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a des. Bon, ça c'était. Ok, ça c'était le jeu onirique de Pâques, hein, donc pas de surprise. Puis là j'ai plus rien. Donc là, vu que j'ai plus rien, je vais encore mettre du bordel. Voilà. Toile magnifique, toile commune, toile apaisante. Donc je pense que je vais faire. Ouais, je vais faire. Pas des enchères, mais. Ouais, je vais faire quelque chose. Que le sphinx aussi, je le mets. Parce que j'en ai rien à foutre. Voilà. Génial. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bonne question. J'ai fait tout. Oh, j'ai eu un petit trou. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ça serait bien quand même que j'ai quelque chose à faire avec un habitant. L'autre fois, je sais plus c'était quand. C'était Zabou qui m'avait proposé un cache-cache. J'ai galéré sa mère, mais. Ça va, quoi. Au moins, elle m'aurait fait ça pendant la vidéo, ça m'aurait occupé. Parce que là, c'est un petit peu la mort aujourd'hui. Hein. Donc, je vous fais un peu profiter de l'écran du bas quand même. Voilà. Vous voyez, pour les chercheuses de rêve, ce sera beaucoup plus pratique. Et puis vous voyez à peu près où je me déplace. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Voilà, mamie Jordi est sur le pont. Ah, je préfère largement cette manière de filmer. En plus, là, j'ai pas... J'en pouvais plus honnêtement de filmer avec le cul par terre. Hein. Voilà, oui, vous savez comment je filmais. Là je suis bien. Un truc bien moelleux et tout. Un beau petit coussin. Pépère. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. Ah, Sophie est chez elle. J'ai pas sonné ma cloche aujourd'hui. Debout les gens, c'est l'heure de se lever. Il est plus de midi là. Zabou! Je sais plus si je vais parler.
Ah, bah apparemment, non. Bon, je peux faire quelque chose. Quoi de neuf? Ces ballons qui flottent dans le ciel. Mais ah, mais vous avez des choses plus intéressantes à me dire aujourd'hui. S'il vous plaît, on innove, là. Allez, allez, s'il te plaît, parle-moi. Et à part ça... Ouh, comment tu me trouves? Ces derniers temps, mon truc, c'est de m'habiller sport. En même temps, t'as le même pull depuis 3 mois. Qu'est-ce que tu... Non, mais c'est vrai, toujours habillée pareil. Je dis pas qu'elle est crade, hein, non, non, non. Ah, maintenant, on peut s'absenter de notre maison un petit moment. Sans... Ah bah oui, forcément, attends, je suis le meilleur maire du monde, hein. Tous les maires, ils mettent... Enfin, la plupart, hein. Faut me dire, hein, d'ailleurs, quel arrêté vous avez mis, vous? Petit sondage rapido. Parce que moi, personnellement, je pense que 99% des personnes ont mis l'arrêté charme. Les autres, c'était, je pense, pour gagner de l'argent, ils ont mis l'arrêté économique pour... comment dire? Ah, je perds mes mots. L'arrêté économique, oui, pour quand vous pêchez les requins ou que vous attrapez les scarabées et tout. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont mis ça aussi. Mais la majorité, je pense que vous avez mis le charme comme moi. Tellement la flemme d'arroser toutes ces fleurs en même temps, mais on se comprend. Hein. C'est pour ça que sur Wheel World, oh mon dieu, je sais pas comment je vais m'en sortir, hein, parce que là... Bon, Pierrot, est-ce que t'as autre chose de nouveau à me raconter, quand même? À part ça... J'aimerais offrir... Ah, ben voilà! J'ai enfin une mission! Ah non, j'ai cru... Ok, non, j'ai rien vu. J'aimerais offrir un petit cadeau à Margot, mais j'ai trop honte. Serait-il amoureux? Alors oui, ça je le redirai dans les feux d'Animalia, mais... Vous avez vu du coup le nouveau petit loup là, Marie-Lou, enfin la louve plutôt. Eh bien, elle est jalouse de Bibi et Margot apparemment, vu que Pierrot n'arrête pas de leur offrir des cadeaux et de parler, enfin de délirer avec elle. Et du coup l'autre jour, Marie-Lou elle me fait « Moi jalouse, mais pas du tout !» Voilà, donc ça fait des petits conflits. Donc maintenant qu'il n'y a plus Rouge Pif, on va dire que ça allège un petit peu au niveau des problèmes, mais... Marie-Lou en rajoute, quoi. Encore heureux qu'il n'y ait pas de troisième loup, parce que, dis donc... Au début, je voulais reprendre un habitant que j'avais dans mon camping. C'était un cheval, mais je ne sais plus son nom. Je crois que c'était Édouard, il me semble. C'était Édouard. Et du coup, il a un peu la même mentalité que Lico, et en plus, c'est un cheval, donc je me suis fait « Oh là là !» Au final, je ne l'ai pas pris. Voilà. Donc, on va peut-être continuer la partie. Ce serait bien. Alors... Petite photo. Faut quand même, hein. C'est des souvenirs. Ok. Alors. Margot, est-ce qu'elle est chez elle au moins? Oui, ah bah voilà, bah ça c'est vite fait. Cette fois, je me gourre pas, elle est vraiment chez elle. Et voilà, la belle petite maison de Margot. Ma choupinette. Ok, alors. Habillée, maquillée, j'ai tout bon. Allez, c'est trop gentil d'être passée. Alors, surprise. Alors, c'est un cadeau. Je parie sur un t-shirt, comme d'habitude. En même temps, oui. Non. Je veux dire un vêtement. Allez. Oui! Tellement pas d'originalité, les habitants, ils offrent toujours des vêtements. En mode, t'es sapé comme un sac à patates. Vas-y. Elle le met même pas. Oh! Pierrot va pas être content. Un mur en bambou. Je l'avais sur Cartoon, mais je suis pas sûre de l'avoir sur cette partie. Bon, bah c'est pas grave, de toute façon. Ça sera toujours ça. Mais le mur de bambou, je l'ai pas souvent vu. Hein. Alors, Pierrot. Comment va? Alors, c'est fait. Merci pour la livraison. J'espère que le petit cadeau lui a plu. D'accord, merci. Bah, pas de. On me demande même pas ce qu'elle en a pensé. Ok, sympa. Ah, les habitants aujourd'hui, ils ont décidé de. Non, ils veulent pas. Bon. Peut-être une dernière personne haut à squatter. Là, ça me plaît pas. Voilà, merci. Pas de mauvaise herbe, non? Non, apparemment, non. Marsou, sérieux, mais on le voit à peine. Zabou, zabou. Choupinou, zabou. On débloque pas la pergola, hein. Faudrait peut-être les décider un jour. Alors... Ah, bah oui, mais j'aurais bien aimé croiser Miro aussi, moi. Leurs personnalités sont si différentes qu'il faut voir pour le croire. Je pense qu'en fait, ça fonctionne parce qu'ils se complètent à merveille. Bah, c'est vrai qu'ils ont pas du tout la même mentalité. Hein.
Voilà, Miro, c'est plutôt tranquille pépère, je bouffe tout le temps, et puis... paresseux, quoi, et puis Lico, c'est... Voilà, c'est Lico, on peut pas le faire trois fois, hein. Enfin bon, c'est vrai qu'ils s'entendent quand même très bien. Elle a raison, parce que je les vois souvent tous les deux. Voilà, donc on va clore cette vidéo. Allez, on va aller vers le centre de police, hein. Voilà, vers le centre de police. Alors, je vais finir par un petit sondage en cette fin de vidéo. Pour les let's play du coup sur Animalia, dites-moi, voilà, si vous avez que je fasse des trucs en particulier, comme par exemple, je sais pas, aller travailler au café, ou je sais pas, faire... Voilà, donnez-moi vos idées, parce que là, je commence à sécher un petit peu. À sécher un petit peu au niveau de ce qu'il faut faire, quoi. Donc, j'aime toujours autant tourner sur Animalia. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, eh ben, vous allez vous ennuyer. Donc, moi, ça me dérange pas de refaire les mêmes trucs. Mais vous, je pense qu'au bout d'un certain temps, ça devient relou. Du coup, voilà, je fais en fonction de vous, parce que c'est aussi votre chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse. Et puis, voilà. Donc, la vidéo va se terminer ici. J'espère en tout cas que le nouveau concept de deux écrans et que la qualité vous plaise. Voilà. Donnez-moi vos avis encore une fois. Et puis, moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ne clique pas sur les boutons, c'est son défaut.